Maram Avmasri, vous êtes née à Latakia en Syrie. Mm-hmm. Votre père était agent maritime et votre mère directrice d'école militante libre. Exactement. Et cet air du large, vous en avez hérité. Il donne de la force à votre parole car vous aimez les mots. Ils vous ont fait connaître dans tout le Moyen-Orient avec la parution de votre premier recueil de poésie, Je te menace d'une colombe blanche. Depuis, après des études de littérature anglaise à Damas, vous n'avez cessé d'écrire, principalement pour exprimer les désirs, les déceptions, les joies, les chagrins des femmes de ce monde, du monde entier. Vous vivez en France depuis 25 ans. Vous allez avec vos poèmes à la rencontre des élèves dans des ateliers d'alphabétisation. L'un de vos derniers recueils raconte les âmes aux pieds nus, profil. Bonjour, voilà, c'est les maisons d'édition de Le Temps de Cyrise, là où j'ai publié mon livre Les âmes aux pieds nus. J'ai connu les poèmes de Maram, ou quelques-uns de ses poèmes, avant de la connaître elle-même. Pour elle, la poésie n'est pas simplement une façon de jouer avec les mots ou de les enfiler comme des perles sur un collier. C'est vraiment essayer d'atteindre ce qu'il y a de plus humain dans l'être humain. Cette revendication de la liberté de la femme, de la dignité de la femme, venant d'une poétesse syrienne, arabe, qui est écrite en arabe, est particulièrement importante par rapport à la condition de la femme dans de nombreux pays arabes, mais en vérité, ce qu'elle dit est aussi tout à fait important pour les femmes qui vivent dans les pays occidentaux. Voilà, on arrive à la librairie, la lucarne de Clément. Pour Armel, je le dois beaucoup parce qu'il me donne beaucoup de courage et je sens qu'il adore mes poèmes et puis qu'il adore, qu'il vende bien mes poèmes. Donc Maram fait partie de ces belles découvertes qu'on a une fois un jour. Quelqu'un rentre avec un chapeau rouge, avec un sourire d'enfant et larmes à l'œil. Et il s'agit de Maram Avmasri qui est aussi charmante dans son regard que dans ses textes. Elle a une écriture liée à son parcours, à sa sensibilité, à sa féminité. C'est un regard de la féminité et du plaisir d'aimer et de la souffrance d'aimer avec toute l'ambiguïté de l'amour qui est particulièrement frappant chez Maram et chez les femmes peut-être arabes de l'Orient où le désir féminin n'est pas toujours mis en avant. Mais il ne faut pas oublier aussi que Armel, il est écrivain aussi, il a fait un dictionnaire très important. Il faut parler un peu. Oui, mais c'est, oui, mais c'est pas le but. Voilà, c'est achevé notre promenade au lieu que j'aime, le lieu où je passe le temps, à la librairie, Le Temps de Cyrise, et puis à Paris. Et vous dites que la poésie vous a permis de vous défendre, de vous protéger. Comment ça? De quoi déjà? Je pense que la poésie, elle avait deux rôles. Le rôle où je transcendais mes douleurs et mes problèmes, et un autre rôle, il était mon assassin. Parce que la liberté qu'il m'a donnée, la liberté qu'il m'a donnée la poésie, elle m'a coûté trop cher. Mais ce prix, j'étais heureuse à le payer. Parce que malgré tout, à la fin, je suis gagnante. Vous dites assassin parce que vous avez été... Parce que la poésie, il est dangereux, la poésie. Oui. Surtout comme on le traite avec l'intime, avec l'expérience humaine. Il nous met dans un frontière de danger où il y a beaucoup de sacrifices. Oui, parce que vous êtes à nu. Vous êtes je suis plus à moi. Oui. Je suis aux autres. Ma poésie, il m'a transformée dans le visage des autres. Il y a un peu ça dans la musique, Émilie, non? Oui, dans l'écriture. Dans l'écriture. Dans l'écriture oui. Qui est à la fois une introspection et un don de soi qu'on fait pour l'autre, enfin pour l'extérieur. Donc, oui, il y a quelque chose qui vous brûle et qui vous échappe. Et puis après, vous devez... Vous devez être responsable de ce que vous dites. Alors, oui. À ce moment-là, vous prenez engagement à votre dit, même des fois, il sort de toi sans que tu saches pourquoi et comment te découvre un visage de toi qui ne te connaît pas. Et derrière, il faut assumer. Il faut assumer tout ça. Ça, c'est effectivement, il y a quelque chose de complètement
C'est un militantisme de l'autre côté. Ça veut dire qu'après, il y a les mots qui sont écrits et il faut que vous soyez... Il faut que je sois à la hauteur de ce que je dis. Et alors, je fais pas seulement avec les enfants, hein. Je fais avec les femmes immigrées. Là, récemment, j'ai fait avec des immigrants mineurs à Lille, où il y a des immigrants qui ne parlent pas français. Oui, dans le cours d'alphabétisation. Voilà. Alors, comment ils reçoivent la poésie? Est-ce que ça passe par l'émotion? Ça passe par... Magnifiquement bien. Là, j'ai fait un atelier d'écriture avec elle et avec eux. Il y avait un Tunisien qui a écrit un poème vraiment digne d'un Rumi ou chose comme ça. Magnifique poème. Il parlait de jasmin. De jasmin, de sa maman, de jasmin. Et ces jeunes-là, ils sont là. Le moment qu'ils sont mineurs, le gouvernement ne l'envoie pas. Il les garde sur leur protection, il les amène à l'école. Mais dès qu'ils ont 18 ans, on l'envoie. Tu dis, mais c'est pas possible, tu investis, tu fais deux hommes, tu lui donnes de savoir, tu l'apprends à lire les poèmes, tu l'apprends à écrire des poésies, puis après, tu l'envoies. C'est contradictoire. Voilà. Ouais. La raison ne comprend pas. Alors, les âmes aux pieds nus, c'est des paroles de femmes que vous avez rencontrées. Exact. Dans un centre, ça s'appelle Halte aux violences. Et vous avez raconté ce qu'elles vous ont dit, vous l'avez mis J'ai rencontré un petit part ce qu'elles ont dit. Parce que ce n'est pas tout on peut le donner à, donner à la poésie. Alors, je vais vous donner un exemple quand même, pour qu'on comprenne. Atifé, 16 ans, iranienne, parce que avant chaque poème, il y a comme ça un petit intitulé, iranienne. Profession, comme vous l'écrivez, la mort ne l'a pas laissé travailler. Voilà. Atifé, on vous lit. Est-ce que c'est un crime? Si mes pieds sont joyeux de toucher l'essence de la terre quand je danse? Est-ce que c'est un crime si je découvre mes épaules et laisse flotter mes cheveux? Est-ce que c'est un crime de mettre du rouge à lèvres et de dire que j'ai une bouche? Est-ce un crime si je suis une fille comme toutes les autres filles du monde? Si j'ai un corps, si je dors, si je chante, si j'écris, si j'ai des désirs, si j'aime? Est-ce un crime de vivre dans un pays où on pend par le cou la liberté? Maram, vous avez écrit sur l'excision, vous avez écrit sur les SDF, et surtout avec la volonté de ne pas caricaturer les femmes du Sud. Vous n'avez pas dit que les femmes du Sud. C'était important pour vous. Non, j'essaie de faire toutes. Un panorama pour dire que ce n'est pas seulement les femmes arabes, ce n'est pas seulement les femmes musulmanes. Et c'est la violence qui touche toutes les femmes. Mmh. Et là, deux fois, c'est d'être femme et devient un tare. Pour ça, j'ai mis un rouge à lèvres pour dire, là, j'ai un bouche. Et parce qu'à un moment, les gens te disent, mais pourquoi tu mets un rouge à lèvres? Et c'est de dire, je suis femme, ce n'est plus facile comme avant, ou comme avant, beaucoup plus difficile. Parce que là, on pense que c'est facile, 2011. Mais dans certains quartiers, il y a des femmes, des filles qui souffrent aussi à être femmes, à montrer leur féminité. Et dans certains pays aussi, il y a des femmes et des filles qui sont avant, qui sont nées, qui sont mortes par l'avortement, parce qu'on sait maintenant, avec l'échographie, qu'ils sont devenues. Qu'on préfère se priver d'enfants plutôt que d'avoir une fille. Ça, et il y a un certain pays, exact. Et c'est toujours une fille. On lit encore, parce que Pascal. Française. C'est une Française. Oui, styliste au chômage. Chaque soir, Pascal a besoin de 3 verres de champagne et 2 verres de whisky. Pour oublier quoi, nul ne sait. Pendant ses courts moments d'éveil, Pascal fume 3 paquets de cigarettes qui laissent leurs traces brunes sur ses lèvres, ses dents et le bout de ses doigts. Pascal rêvait toujours d'un amour éternel. Elle passe d'un lit à l'autre à sa poursuite. On l'a retrouvée inconsciente, son chien près d'elle, après 2 bouteilles de champagne et 20 comprimés de somnifères. Que cherche-t-elle à oublier dans son long sommeil? Nul ne sait. Et qu'est-ce qu'elles vous ont laissé, toutes ces femmes-là, en fait, tous ces enfants-là? Parce qu'on écrit, mais on ne se libère pas de tout. Je pense, à un moment, quand j'ai écrit le poème des enfants, je l'écris en pleurant. Mmh. Et jusqu'à maintenant, quand j'ai lu le poème des enfants, il me touche beaucoup. Ils m'ont laissé cette envie de les aider, cette envie de les aimer, à les prendre dans mes bras, à leur dire que
louons des beaux aussi. Mmh. Comment vous vivez les événements Moi, je les vis chaque seconde avec tout mon être. Et c'est bizarre, moi, c'est que je m'appelle l'humaniste, parce que c'est vrai, je pense que la Terre, elle est notre patrie. Et ce qu'il arrive à mon voisin, il arrive à moi. Et ce qui arrive en Japon, il arrive aussi à notre assiette ici. Mmh. Alors, ce qui arrive en Syrie, encore on arrive en Syrie. Maintenant, je deviens syrienne quelque part, parce que je défends ce peuple que je connais, c'est ce peuple qui bizarrement, je reconnais leur marque de chaussures, leur chemise, leur odeur, et je deviens vraiment, comment dirais-je, une d'elles, et une de ce peuple-là. Et je pleure le matin, comme je vais voir qu'il y a 1000 personnes jusqu'à maintenant, ils sont en train de mourir, et personne dit un mot. Il y a de 30 000 en prison, et personne dit un mot. Mm. Et c'est le peuple, ça veut dire le gouvernement qui tue un peuple, qui est son arme, son défense, et c'est seulement cette envie de liberté. 48 ans d'oppression, d'injustice, de vol, c'est indescriptible. Et vous avez écrit un poème à votre fils qui était là-bas pendant les événements. Alors, cadeau pour vous avec les images. Oh, c'est gentil. La liberté est un cri. L'explosion d'une corde dans une poitrine qui n'en peut plus. La liberté est la maîtresse de la force, la belle des belles, déesse de la sagesse. Car le monde devient sourd aux cris des mères. Car le monde ne prend plus dans ses bras la gazelle blessée qui a fui la balle du chasseur. Car il y a entre nous, mon fils, des montagnes, des mers, des vents et des nuits sans couleur, rythmées de peur et d'espoir. Sois, mon fils, la goutte d'eau qui, avec les autres gouttes, formera la vague qui nettoiera la côte du monde et adoucira le rocher pointu. Mon fils, sois le souffle qui s'unira à l'air pour que la tempête arrache les racines de l'injustice. Sois l'étincelle dans la lumière, que le soleil de la liberté illumine ton pays. Ta vie m'est chère, comme celle des enfants de toutes les mères. Je te dédie, mon fils, à la liberté.